sommes ravis d'accueillir les candidates à l'élection de Miss France. C'est une volonté forte du président Ary Chalus. Et là, nous sommes vraiment prêts à les recevoir. L'avion vient d'atterrir. Et donc, tout le monde s'apprête à les recevoir avec beaucoup de fierté. Elles vont pouvoir faire rayonner la Guadeloupe encore plus. Moi, dès qu'il y a de la musique, de la danse, du spectacle, je pense que c'est quelque chose que j'adore. Et je pense que les jeunes filles, elles sont, d'un seul coup, elles sont emportées dans quelque chose de nouveau et ça contribue à la camaraderie. C'est-à-dire que le fait qu'elles dansent toutes ensemble, etc., ce qui sont des valeurs très importantes. Ce bel archipel qu'est la Guadeloupe, que ce soit la Basse-Terre, la Grande-Terre, les Saintes, Marie-Galante, la Désirade, vous allez voir cette belle île que nous avons. Nous vous promettons de découvrir nos îles comme vous ne les avez jamais vues, à travers les yeux des ambassadrices de nos régions, véritable source d'inspiration pour les plus jeunes. Un vrai défi donc que nous avons pouvoir relever, tant il nous importe de contribuer à la relance du secteur touristique après cette période de pandémie. La Guadeloupe va apporter sa richesse, sa culture, son patrimoine, son énergie, sa ferveur, sa passion. Donc voilà, on parle d'île, mais comme toute vie un petit peu insulaire, toutes les émotions sont décuplées et on a envie que les batteries de nos mises soient rechargées à bloc et qu'elles ramènent ce soleil guadeloupéen et cet amour également. On est sorti de deux années de Covid, d'une année de galère. Et là, on va pouvoir repartir et permettre que l'économie redémarre, mais aussi que les acteurs culturels, les acteurs sportifs, tous les acteurs qui travaillent autour de l'environnement, nous puissions mettre en avant un peu nos savoir-faire, nos atouts. Nous faisons tout pour, c'est comme nous sommes une île, on l'oublie. Notre force, c'est de faire venir des touristes ici pour créer de la richesse et aussi de l'emploi pour les entreprises.